Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvel Man. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale par rapport au film The Marvel, ce qui va sortir très bientôt. En effet c'est une vidéo où je vais tout simplement rappeler tout ce qu'il y a à savoir avant la sortie du film pour être préparé. Parce qu'évidemment il y a peut-être des choses que vous avez oubliées ou peut-être même que vous n'avez pas vues. Et donc comme ça, cette vidéo est l'occasion de vous mettre à jour pour le film et de ne pas être perdu. Évidemment je ne vais rien spoiler du film, hein, ne vous inquiétez pas. Et on va faire ça un peu personnage par personnage, vous avez le timecode de toute façon. Déjà, on va commencer par le personnage principal de ce film, Carol Danvers, Captain Marvel, qui au final n'est pas apparu dans énormément de projets hein, jusqu'à maintenant. Donc ce qu'il faut savoir pour le film, c'est que déjà, Carol était dans l'armée, quand elle était jeune, sur Terre. Elle avait une amie, Maria Rambeau, qui était très proche, et qui elle-même avait une fille, Monica, aussi proche de Carol. Ils faisaient partie de la même famille, hein, quasiment, de cœur en tout cas. Et ils avaient une supérieure qui s'appelait Wendy Lawson, qui était en fait, ça ils le savaient pas, mais une Kree. Les Kree qui sont tout simplement une race extraterrestre. Alors bon, là, je vais pas en reparler énormément. Hein. Il y a une histoire très grosse, mais évidemment dans les comics, mais même dans le MCU, qui a été développée surtout dans les séries comme Agent of S.H.I.E.L.D. Mais bref, les Kree, là, pour ce qu'il y a à savoir, c'est surtout une race d'extraterrestres qui fait beaucoup la guerre, et en particulier aux Skrull, qui est une race d'extraterrestres métamorphes. Et en fait, Wendy Lawson avait déserté l'Empire Kree pour aider quelques Skrull pour fabriquer un vaisseau. Enfin, en tout cas, un moteur pour un vaisseau, pour être tout à fait précis. Mais ensuite, les Kree sont arrivés sur Terre, ont fait tuer Wendy Lawson. Et par plus ou moins accident, Carol Danvers a fait exploser le moteur supraluminique, ce qui lui a donné des pouvoirs. Elle a ensuite été ramenée sur Hala, la planète des Kree, et a subi une sorte de lavage de cerveau, hein, effacement de la mémoire, et a été ramenée à la vie grâce au sang Kree, et est tout simplement devenue une des leurs, possédant un métabolisme hybride Kree, donc avec des pouvoirs, force surhumaine, etc. Sans compter ses pouvoirs qu'elle a eus lors de l'explosion du vaisseau, mais qu'elle maîtrise très mal et qui sont en fait assez nerfés. C'est-à-dire pour l'instant, elle ne peut pas les utiliser à plein potentiel. Et donc elle rejoint l'équipe de la Star Force, dirigée par Yon Rogg, avec qui elle devient amie. C'était lui hein, d'ailleurs qui l'avait attaqué sur Terre à l'époque. Et évidemment, tous les Kree obéissent en fait à l'intelligence suprême. Comme son nom l'indique, c'est une intelligence suprême. Et donc qui dirige tous les Kree. Et que personne évidemment n'a vu aussi sa véritable forme, puisqu'elle prend l'apparence de quelqu'un qu'on admire ou qu'on respecte. Mais un jour, lors d'une mission avec la Star Force où ils affrontaient des Skrulls, Carol en fait a été capturée par les Skrulls, qui cherchaient quelque chose dans sa mémoire. Elle est ensuite atterrie plus ou moins par hasard du coup sur Terre, qui est en fait le lieu de sa naissance, évidemment, dont elle ne se souvenait pas. Et ici, a rencontré donc Nick Fury, dont on va reparler plus tard, le directeur du S.H.I.E.L.D., enfin, futur directeur du S.H.I.E.L.D. Il ne l'était pas à cette époque-là. Ainsi d'ailleurs que Goose, qui est en fait un chat extraterrestre, un Flerken, mais il ne le savait pas non plus. Et à partir de là, elle a commencé à déverrouiller des morceaux de son passé, avec évidemment Maria Rambeau, son amie, qu'elle a retrouvée ensuite, Monica, la petite fille, et aussi toute l'histoire avec Wendy Lawson. Et donc, au fur et à mesure du film, elle commence à comprendre d'où elle vient et qui elle est réellement, et que les Kree, du coup, l'ont techniquement kidnappée. Et ont fait d'elle une arme, et elle se rend compte que les Skrulls, en tout cas pour la plupart, ne sont pas forcément méchants, et décide de les aider. Mais pendant ce temps-là, évidemment, les Kree arrivent, car ils ont retrouvé sa trace, et s'ensuit donc une bataille entre, on va dire, l'équipe de Carol plus les Skrulls contre les Kree. Bataille où Carol va pouvoir de nouveau confronter l'intelligence suprême, mais cette fois-ci se défaire de son emprise et libérer son plein potentiel. Car comme je l'ai dit, depuis le début, ses pouvoirs étaient bridés. Ce qui fait qu'elle est surpuissante, et qu'elle bat évidemment les Kree de manière assez facile. Les fait fuir d'ailleurs, ramène son ancien mentor, donc Yon Rogg, sur Hala en lui disant qu'elle va venir s'occuper de l'intelligence suprême et des Kree. Et ensuite, elle promet donc aux Skrulls, qui sont donc des réfugiés, de leur trouver une nouvelle planète. Et elle laisse au cas où, évidemment, un bouton d'alerte à Nick Fury en cas de besoin, s'il a besoin de l'appeler, en cas d'urgence. Et évidemment, je rappelle que tout ce film se passait dans les années 90, 95 pour être précis même. Et ensuite, on n'a pas revu Carol. Jusqu'à, évidemment, vous le savez, Avengers Infinity War, où quand Nick Fury a disparu, il appuie sur le bouton d'alerte. Ce qui a fait venir Carol sur Terre, rencontrer les Avengers, qui avaient récupéré le bouton. Et donc comme je l'ai dit, cela se passe des années après. Évidemment, Carol n'a pas vieilli, hein, dû à son ADN Kree. Et avec les Avengers, ils sont allés sur le jardin où Thanos se cachait et l'ont tué. Suite à ça, pareil, 5 ans se sont écoulés où Carol est retournée dans la galaxie, s'occuper des gens, des planètes, etc. En restant quand même en communication avec les Avengers. Et est venue d'ailleurs à la bataille finale de la Terre contre Thanos, le Thanos du passé, pour venir les aider, elle l'a d'ailleurs affronté. Et grâce à son aide et un peu à tout le monde, ils ont donc réussi à ramener tout le monde et à vaincre définitivement Thanos. Et Carol, elle, est retournée dans l'espace. Et ensuite, on l'a revue assez dernièrement dans le film Shang-Chi en scène post-crédit, où elle était en communication aussi avec Bruce Banner et Wong pour étudier les 10 anneaux de Shang-Chi, justement, avant de disparaître car elle était appelée. Évidemment, je ne compte pas la scène post-crédit de Miss Marvel, puisque c'est une scène qu'on reverra dans le film The Marvel. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir, Carol est une ancienne, enfin, humaine Kree, elle a des pouvoirs surpuissants, et on sait qu'il s'est passé des choses, évidemment, entre son film et Endgame, 20 ans et quelques, qui seront sans doute explorées dans The Marvels, et on verra surtout, a priori, les conséquences de ce que ces actions ont eu sur les Kree, qu'on n'a pas vu, du coup, pour l'instant. Et ça peut être très intéressant. Ensuite, passons
Un autre personnage qui sera très important dans le film, il s'agit de Monica Rambeau, donc la petite fille qui était déjà présente dans Captain Marvel, mais qui cette fois-ci est devenue adulte. En effet, bon, vous, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais elle était dans le premier film, et elle s'était liée d'amitié d'ailleurs avec des Skrulls, et voulait venir les aider. Ensuite, on ne l'a plus revue jusqu'à WandaVision, où en fait on a appris que sa mère, Maria Rambeau, qui était donc très amie avec Carol, est en fait décédée d'un cancer pendant la période du Snap, et aussi d'ailleurs qu'elle avait fondé le SWORD. Bon là, dans le MCU, c'était pas ça, mais dans les comics, c'est une espèce de shield de l'espace. Et apparemment, de ce qu'on sait, Captain Marvel n'était pas là quand ça s'est passé. Et ça a dû créer des tensions entre les personnages. C'est sous-entendu dans WandaVision. Mais donc, Monica, qui était devenue elle aussi membre du SWORD, a été chargée de mener une enquête sur Westview, où la Sorcière Rouge, pareil, vous le savez, avait pris toute une ville en otage, avec le X qui était une sorte d'illusion, de changement de la réalité. Et c'est lors de toute cette intrigue que Monica s'est un peu liée d'attachement pour Wanda, qui elle aussi était en deuil, comme elle avec sa mère évidemment. Et c'est au même moment où en fait Monica a traversé plusieurs fois le X, donc la barrière de la Sorcière Rouge. Au fur et à mesure, son ADN a été modifié, ce qui lui a donc donné des pouvoirs. Des pouvoirs liés à base de lumière, dans les comics c'est Spectrum, qui a été aussi une Captain Marvel d'ailleurs. Et des pouvoirs assez cheatés pour l'instant ce qu'on a vu, même si elle ne les maîtrisait absolument pas. Donc là, elle est au tout début de son apprentissage, en tout cas aux dernières nouvelles. Et à la fin de WandaVision, elle était justement cherchée par une Skrull pour aller dans l'espace. Parce que ça, on verra évidemment la suite dans The Marvels, ou de ce qu'on sait, elle aurait rejoint Nick Fury dans la base Saber, qui est donc dans l'espace, comme je l'ai dit. Et j'imagine que ses pouvoirs, du coup, se seront améliorés, et en tout cas, sa maîtrise. Voilà ce qu'il faut retenir pour Monica. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, si vous pouvez, évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup, évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Et enfin, on va passer pareil au troisième, j'allais dire, membre de l'équipe. La plus petite, c'est Miss Marvel, Kamala Khan, qui a eu donc droit à sa propre série sur Disney+. Alors là, du coup, dans le MCU, Kamala, pour résumer, est une très grande fan de Captain Marvel, c'est son héroïne tout simplement. Elle l'adore, elle fait des cosplays d'elle. Et donc dans sa série, pour résumer, elle a en fait trouvé un artefact, un bracelet qui appartenait à sa famille, et quand elle le met, ça lui a déclenché des pouvoirs à base de lumière plus ou moins cristalline, là, qui, on va dire des formes de lumière en cristal tout simplement, pour résumer, qui lui permet de faire des plateformes, la création, des membres. Bon évidemment c'est pas des pouvoirs qu'elle a en comics, mais voilà. Et au fur et à mesure de la série, elle a découvert pas mal de choses. D'ailleurs quelque chose qui m'avait pas vraiment plu, j'en ai une vidéo dédiée. C'est qu'en fait ce bracelet la connecte à une dimension dont provient son ancêtre, qui habitait par des djinns entre guillemets, et c'est pour ça qu'elle aurait ses pouvoirs. Même si d'ailleurs à la fin de la série, on sous-entend donc, très fortement et même c'est sûr, qu'en plus de ça, Kamala serait une mutante. Mutante, vous savez évidemment comme dans les X-Men. Alors Kevin Feige avait dit que c'était pas dans le sens X-Men, même si on a la musique du générique des X-Men, donc en vrai c'est une mutante tout simplement. Bon après, l'origine de Kamala dans le MCU est assez compliquée et franchement un peu bordélique. Mais en tout cas voilà, pour résumer le personnage, elle a un bracelet magique qui lui donne des pouvoirs, ce sera plus simple. Mais ce bracelet a aussi quelques spécificités, c'est qu'il n'était pas tout seul. Kamala en a un, mais on sait qu'il y en avait d'autres, enfin en tout cas un autre, qui n'avait disparu. Et dans un des flashbacks, on peut voir d'ailleurs que les Kree, la race alien dont on a parlé avec Captain Marvel, est liée à ces bracelets, peut-être même à leur création du coup. Et aussi aux 10 anneaux qui sont liés à Shang-Chi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et on sait que dans The Marvels, la méchante du film, Darben, aura le deuxième bracelet. Donc forcément, Kamala va jouer un rôle très important dans le film, puisqu'elle sera liée à toute cette histoire d'une manière ou d'une autre, grâce à son bracelet. Mais sinon, à part ça, Kamala elle-même, dans la série, a vécu ses propres aventures. Elle est allée au Pakistan, on en a découvert plus du coup sur son histoire et, comme j'ai dit, tout ce qui entoure ses pouvoirs, avant de revenir à New York où elle a affronté Damage Control, qui est une organisation qui arrête les méta-humains. Elle avait aussi d'ailleurs affronté Najma et son groupe de djinns justement, qui venait de la dimension d'où venait son ancêtre à elle. Et à la toute fin, donc, en rentrant chez elle, son bracelet a fait un bruit bizarre et elle a disparu laissant place à Captain Marvel, donc Carol Danvers. Avec pour l'instant pas d'explication, même si en fait dans le film on le verra, c'est que leurs pouvoirs sont liés et que quand ils utilisent, enfin une des trois utilise les pouvoirs, elle change de place avec une autre. Ce qui va être évidemment compliqué pour les personnages. Et évidemment Kamala aussi a toute sa famille qui est assez présente dans la série et qu'on reverra dans le film The Marvels. Et ensuite parlons d'un autre personnage pareil qui va être assez majeur dans le film de ce qu'on sait, c'est Nick Fury. Fury, bon évidemment vous savez tous qui c'est je suppose, ancien directeur du SHIELD, qui agit dans l'ombre depuis Captain America 2. Et donc comme vous le savez, bon là on va se concentrer vraiment sur ce qui est de l'histoire par rapport à The Marvels, parce que Fury a une histoire sinon très longue, mais comme vous le savez, je l'ai déjà dit, il connaît Captain Marvel, il l'a connu en tout cas dans le passé, il connaissait aussi Maria Rambeau et Monica quand on verra dans le film, donc c'est assez logique de le retrouver dans cette histoire là, et de ce qu'on sait du coup depuis quelques temps il a créé la base Saber, donc une base qui dans l'espace tout simplement, chargée de la protection de la Terre, où il a amené d'ailleurs Monica Rambeau, comme je l'avais dit. Et c'est une base où il y a beaucoup de Skrulls, car en effet, Nick Fury, en attendant, lui, a vécu sa propre histoire dans Secret Invasion, une série qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui va être un petit peu liée à tout ça, mais vraiment très peu pour le coup, où en fait, les Skrulls qui n'ont toujours pas trouvé de planète habitable, malgré la promesse de lui et de Captain Marvel dans les années 90,
ils en ont eu marre, enfin en tout cas une faction, et a commencé à faire des attentats et voulait prendre en fait la place des humains sur Terre à cause des promesses non tenues. Mais le conflit a été réglé avec Nick Fury, il a fait équipe avec d'autres Skrulls pour battre Gravik, qui était le Skrull rebelle on va dire, et il est ensuite reparti donc sur Saber, et qu'on reverra donc maintenant dans Captain Marvel, enfin dans The Marvels. Et on a aussi appris que du coup, les Kree qui étaient pourtant les ennemis ancestraux des Skrulls, ont proposé un acte de paix. Donc j'imagine que c'est une intrigue qui suivra dans The Marvels. Bon, de ce qu'on sait, la paix va pas durer très longtemps, mais voilà. Et donc forcément, Nick Fury va être pareil, lié à toute cette histoire. Et au passage, je le rajoute là, mais on y reverra Goose, donc j'en ai déjà parlé au début. C'est un chat extraterrestre, un Flerken, et qui est donc maintenant le compagnon, on va dire, de Carol Danvers. Et de ce qu'on sait d'ailleurs, il y aura encore beaucoup d'autres Flerken. D'ailleurs, tous ces aliens ont une dimension de poche à l'intérieur d'eux. Donc c'est des personnages assez puissants au final, puisqu'ils peuvent avaler des gens. Et c'est d'ailleurs lui qui avait griffé l'œil de Fury, qui l'avait rendu borgne. Mais donc voilà un peu en bilan, hein, pour rester en général, voilà ce qu'il faut savoir pour The Marvels. Nick Fury dans l'espace à surveiller la Terre, avec Monica Rambeau, Captain Marvel qui, elle, est toujours dans l'espace et qui va se manger, on va dire, les conséquences de ses actions du premier film, avec le fait a priori qu'elle ait donc tout changé dans dans le peuple Kree, dans la hiérarchie et dans le peuple, et ça on l'a pas encore vu. Et Kamala Khan, donc Miss Marvel, qui à cause de son artefact, son bracelet, va se retrouver mêlée donc à l'histoire des Kree et donc forcément croiser le chemin de Carol Danvers et Monica Rambeau. Donc voilà, dites-moi en commentaire déjà si la vidéo vous a plu. Je pourrais le refaire pour d'autres projets si vous le voulez. Je crois que c'était une bonne idée de résumer, j'ai essayé de le faire du mieux que possible, sans trop perdre les spectateurs. Évidemment, il est conseillé quand même d'avoir vu les projets dont je viens de parler, parce que sinon ça va être trop flou. Dites-moi aussi si vous attendez le film, est-ce que vous êtes hypé ou pas. Mon honnêtement, je vais pas mentir, j'en avais absolument rien à faire du film, mais au fur et à mesure du temps, je commence à me dire que ça peut être une petite surprise sympathique. Donc on verra, évidemment, on fera une vidéo dessus, hein, dès que ça sortira. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, c'est le lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.